Ce soir, j'ai eu à partager avec les camarades jeunes sur les principaux paramètres responsables du changement climatique. Et parmi ces causes principales, on a eu à souligner la pollution atmosphérique avec la forte émission de carbone occasionnée par les véhicules dans nos centres urbains. On a également souligné les modes inappropriés de traitement des déchets. Et à côté de ces causes-là, on a d'énormes conséquences qui sont la plupart du temps très néfastes. Et parmi ces conséquences, on a le stress hydrique, on a la famine, on a les déplacements dus notamment aux inondations et aux séismes, aux cyclones, entre autres. Mais on a également proposer des pistes de solutions. Et ces pistes de solutions vont quand même de petits pas qui, dans l'avenir, peuvent engendrer de grandes conséquences. Par exemple, le fait d'éteindre son ordinateur portable avant d'aller au lit. Donc voilà toute une série de mesures qui entre dans les politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique qui nous réunit ces prochains jours ici à Marrakech. As acknowledged, we need a lot more ambition than what we have. And for me personally, I celebrate the Paris Agreement because. Mais à un moment, je me suis arrêté, je me suis posé la question, mais ça fait pratiquement 15 ans. Et c'est là où je vais vous attendre. Les amis, معنا مع التزامن مع هذه الاحداث اللي حنا فيها الان موقفك وما تصريحاتك ما يعيشه معتصمي البان جبال البان جبل البان اللي في تنغير ما بصراحه ما في اخباريش هذه القضيه ما في اخبارك جاع جمال لا بصراحه كاع ما في خبرك بان وراه المشكل ديال ايميدر داكور سي سا ايميدر يا التقارير لا شنو الموضوع ديالك بصراحه موضوع التغيرات المناخيه